Bonjour, aujourd'hui on va continuer le tutoriel, la dernière vidéo sur Require.js. On va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu la dernière fois sur Require.js. Alors, la première chose la plus importante, c'est comment créer une structure sur Require.js. Donc là, on a vu qu'on a créé le dossier route. Et puis ici, on a créé une dossier librairie. Puis là, ça, c'est la page index. Puis ici, c'est le fichier de configuration de notre projet avec Require.js. Si on ouvre le main.js, on voit que ici, le dossier source, ici, c'est app. Ça veut dire automatiquement, lorsqu'on va charger, tous les fichiers JavaScript qui se trouvent dedans vont être exécuté. Ensuite, si on a un fichier, si on va faire un appel d'un module qui commence par main, on va l'exécuter depuis les chemins suivants. On voit ici également que les fichiers JavaScript, on enlève l'extension, on ne doit pas écrire main.js. Ensuite, on a vu comment créer un module. On a vu ici avec une fonction anonyme simple. Donc là, on a la fonction. Ici, on a required t-shirt. Donc ça, c'est le module qu'on va appeler. Et donc on a ici tout simplement un module. Donc là, l'argument, on n'a pas besoin de le mettre, mais bon. Et puis on a retourné le tableau suivant couleur et puis size. Et puis ça a donné ce petit objet. Voilà. Aujourd'hui, on va voir maintenant, encore une fois, comment déclarer un module, mais cette fois-ci avec des dépendances. On va voir comment faire ça. Et puis, on va commencer par display. Voilà, on va commencer par ici, par comment. Donc, on va faire appel à ces modules. Plutôt, on va commencer. Bon, là, plutôt, on va commencer par t-shirt, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, ici, on aura notre module. Cette fois-ci, on va appeler des dépendances à ce module-là. Alors, comment faire? D'abord, on doit faire tout simplement la collade. On appelle le module couleur et le module taille. Ensuite, donc dans l'argument de define ici, donc on appelle ce crochet couleur size, et aussi dans l'argument de la fonction anonyme, on va mettre les paramètres qui vont ce qu'on va passer par comme paramètres ces modules. Donc ces modules là qu'on voit ici, ils vont passer en paramètres dans ces arguments là. Bien. Alors, on va faire quelque chose comme ça maintenant. On va créer une fonction set product détail, fonction. Alors, color. Donc là, je suis en train d'écrire toutes les fonctions en anglais. C'est exprès en fait pour avoir plus de compréhension pour tout le monde. Pour avoir de temps en temps nos amis anglais qui veulent voir le tutoriel. Alors, ici, on va mettre la couleur. The color, pardon. The color et the size. Très bien. Ce qui fait que color, ensuite the size,
size. The size. Bien. Ensuite. Ensuite, donc là, il y aura ici deux modules. On aura module set color et un module set size. On va le créer plus tard. Et ensuite, on va retourner ces valeurs. Product détail. Color donne the color size donne the size. Voilà. On retourne la valeur. Alors, donc maintenant on a créé notre module, on a notre module t-shirt qui dépend des deux modules couleur et size. Dans le module t-shirt, ce qu'on va faire, c'est que après avoir chargé les modules couleur size, on va setter les valeurs de la couleur et on va setter aussi la valeur de taille et ensuite on va retourner ces valeurs-là. Bien. Maintenant, on va créer les modules couleur et size. C'est facile. Alors, define pardon. Attendez là. Alors, on va créer plutôt size.js. Très bien. Define fonction. Et ensuite, l'argument, ça va être size. On va tout simplement retourner la valeur set size qu'on a utilisé tout à l'heure. Return size. Voilà. Donc vous voyez la chose, hein? Donc on répète ici. Donc on a ici. Donc on va le refaire aussi avec aussi module color. Color.js. C'est la même chose, hein? C'est CTRL A, CTRL C. CTRL V, sauf si on va faire color. CTRL C, CTRL V, CTRL V et 7. Color. Oups. Faut pas écrire rapidement. Hop là. Et on est bon là. Bien, on explique ce qu'on vient de faire. Donc, ici, le module T-shirt qui a ses dépendances color et size. Donc, on a ces deux modules-là, couleur et size. Ces modules-là, ce qu'ils font tout simplement, ils retournent la valeur d'une couleur qu'on va entrer en paramètres. Très bien. Donc, on a le module ça, on les a passés ici comme argument. Ce qu'on va faire maintenant, set product détail. Donc, on a notre. Donc, on a ici les paramètres, donc les couleurs qu'on va entrer. Alors, ici, the color. Et là, on va utiliser color.setColor. Donc, color, ça, c'est le module qu'on a appelé setColor. On va utiliser la fonction,
de ce module-là, de ce module color. Et ensuite, on va retourner les valeurs. C'est simple. Bien. Maintenant, comment on va exécuter ce module? On va venir maintenant dans Display. Alors, c'est simple. Alors, tout simplement, on va tout d'abord faire appel à T-shirt. Ça, on n'a rien changé. Et d'ailleurs, on va faire console log. On va voir qu'est-ce que ça donne. Parce qu'il y a des erreurs d'ailleurs. Alors, il nous dit qu'il y a un problème dans T-shirt. Ligne 10. Qu'est-ce qui manque? Ligne 10. Ligne 10. Ah ouais. Ici. Commence. Encore une fois ici. Attendez, là, qu'est-ce que j'ai fait là comme bêtise? Attendez. Oups, ça c'est faux, c'est complètement ce que je viens de faire. Complètement faux. Alors, return, on va trouver le problème. Ouais, je sais c'est quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme souci ici? Missing un point virgule qu'on l'a pas trouvé. Hop, là, je vois. On va arriver, on va arriver, on va arriver. Va arriver. On est bon. Bien. Et là, on a notre fonction ici. Très bien. Actuellement, on n'a pas des arguments, sont nuls. Très bien. On revient maintenant dans Display, on va mettre les arguments. Alors, on va commencer par... Alors, ici, Display. Être encore console log point t-shirt set product détail tac et on va donner comme argument on va dire cette fois-ci t-shirt de couleur verte et de taille L. Est-ce que et voilà. Donc on a ici, on a bien appelé le module et ensuite on a bien entré les valeurs vert et L. Excellent. On va essayer maintenant de les afficher. Donc ça c'est nouveau maintenant. On va essayer de les afficher. On va appeler la bibliothèque jQuery. Var require dollar
jQuery. Par contre, il faut installer cette bibliothèque. Alors, on va aller chez jQuery. On va télécharger. Alors, ici, on va mettre directement dans App. Donc, automatiquement, lorsqu'on va faire jQuery, elle va être appelée par défaut. Alors, on va essayer de faire ça maintenant. Va faire. Oups. Body append color. Alors, on va faire ça, cette product t-shirt, cette product. On va dire point color. Voir si ça fonctionne déjà. Alors, contrôle S. Donc ici, il est très important, donc là, il y a une erreur, c'est qu'il n'arrive pas à détecter jQuery. Il est possible de garder en fait la version de jQuery. Il y a dans l'API, il y a une mise à jour de jQuery automatiquement. Il peut mettre à jour en fait tout seul les versions de jQuery. Pour le moment, on va enlever ça. Et ensuite, on va même aussi le faire plus propre. Alors, couleur indéfinie. Pourquoi couleur indéfinie? Alors, on va revenir ici dans T-shirt. Ah, color avec majuscule. D'accord. Color, est-ce que c'est à cause de ça? Oups. Ctrl S. Vert, et ça fonctionne. Ici, si on va dire bleu, voilà. On va faire la même chose cette fois-ci pour size. Taille, CTRL S. Color size, on va faire en anglais, Oups. Alors, est-ce que j'ai fait encore une bêtise dans le t-shirt? Ouais. Bien. Et voilà. On a affiché les valeurs du t-shirt. Alors, récapitulatif. Il y a autre chose aussi qu'on peut montrer avant de faire le récapitulatif. Latif. Donc ici, vous voyez, on a fait appel au module jQuery. Mais encore, on peut faire quelque chose de beaucoup plus propre dans les dépendances. Donc ici, on a appelé jQuery. Alors, on peut faire mieux si on va le déclarer directement depuis le main. Alors, vous allez voir comment. On revient vers main. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, jQuery ici. On peut faire comme ça. Mieux que ça en fait, on peut directement
appeler, je crée depuis ici. Tac. Et virgule require depuis ici. On peut faire comme quelque chose comme ça aussi également. 1$. Je vais voir si ça marche. Normalement, ça doit marcher. C'est beaucoup plus propre. Oups. Il y a une erreur. Alors, pourquoi il y a une erreur? Quelque chose qui ne joue pas ici. Alors, je vais voir qu'il y a un souci. Ça également, il faut loader le module du short aussi. Par contre, avec T-shirt, on va faire autre chose. Excellent. Donc vous voyez ici, on a loadé maintenant. Donc on a aussi display. Sa dépendance tout à l'heure, elle était ici, jQuery. Donc on l'a enlevé. Et puis maintenant, on va charger jQuery directement dans, sur $, require directement sur require. Et le module T-shirt, on va le charger directement depuis ici. D'ailleurs, on n'a plus besoin de ça aussi. Voyez, c'est beaucoup plus simple. Donc, vous voyez, tout à l'heure, il y avait le dollar qui a été appelé depuis require. Maintenant, lorsqu'on les charge tout de suite avec les dépendances, c'est beaucoup plus simple et joli à voir. Et ça devient tout simplement comme ça. Voilà. Donc, comme on a vu tout à l'heure, comment commencer avec avec une simple structure, ensuite avec une fonction. Après, on est allé faire, on appelait plutôt un module avec une fonction simple. Ensuite, maintenant, on a appelé un module avec des dépendances. Ces dépendances-là, on peut les passer en paramètres dans la fonction et après, on peut exécuter tout de suite nos fichiers. Voilà, j'espère que c'est un tutoriel simple à comprendre. L'objectif de ce tutoriel, c'est vraiment vous pousser à comprendre Require.js. C'est pas quelque chose de très approfondi, mais c'est une base très compréhensible qui va vous permettre ensuite d'aller sur l'API elle-même et pour avoir encore plus de détails. Je vous vraiment conseille vivement d'aller regarder. Ce qu'on a vu, c'est quasiment la grande partie la plus importante pour comprendre le Require.js. Après, il y a des petites choses que vous devez aussi voir lorsqu'il y a des petites choses. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir l'API. C'est bien expliqué. C'est vrai en anglais, mais c'est très très bien expliqué et facile à comprendre. Voilà. Je vous remercie pour votre suivi. Au revoir.